Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Stevie Boulet, Isabelle Alonso, Jean-François Derek, Jean-Benguigui, Claude Sarraute et Elsa Fayer. Content de vous revoir, Jean. Ben, j'ai pas été absent longtemps, j'étais absent, absent, j'ai dit, tiens. J'ai, mon absent n'a duré qu'une semaine. Quelle décision vous avez prise finalement? Vous restez, vous partez, vous... J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages de soutien. Et je voulais partir, et devant cette masse d'affection. Et sous la pression de tes amis. Sous la pression de mes amis. Tu penses que tu peux encore être utile? Donc, si vous voulez, j'ai trois raisons de rester. Un, de rester. Deux, de rester. Et trois, de ne pas partir. De ne pas partir. Merci, bravo, monsieur. Tu nous l'as fait hier. Claude, vous allez bien? Oui, très bien. Jolie mise en pied, vous êtes allé chez le coiffeur récemment? Ouais. Ici, en coulisses. En coulisses, oui. C'est pas vrai. Une très, très bonne coiffeuse, Sophie. Quant à Stevie Boulet, bon, comme d'habitude, quoi, classique. Ouais. Ah, plutôt même, je dirais, fade, aujourd'hui. Ah, sympa. Ouais. Déjà qu'il était de bonne humeur. Ah non, franchement, c'est vrai. On a l'impression que c'est Claude Sarraute qui vous a tricoté un pull. Oh. Il a un ballon. Quant à Elsa Fayer, vous pouvez toujours régler vos couleurs avec Elsa. Merci. On l'appelle Mire, là-haut. Très joli, très joli. Allez, temps de passer justement à la photo du jour. C'est celle, évidemment, d'Alain Juppé, qui hier soir a annoncé que tout bien réfléchi, tellement qu'on lui a montré qu'on l'aimait, et ben finalement, il reste. Franchement, on est cons, nous aussi, alors. Le maire de Bordeaux a effectivement déclaré hier soir que ça ne se faisait pas de laisser la clé sous la porte en laissant tomber tout le monde comme ça du jour au lendemain. Et là, on voit bien à qui il faisait allusion. Oh, hein. Ça. Ah, ah, ah. À ça. Voilà ce qui lui a fait peur à Alain Juppé, c'est de devenir comme ça. Alors, il faisait vraiment allusion à Jospin, Claude, quand il a dit ça? On ne peut pas comparer. Ah oui. Ça aurait eu une classe folle s'il était vraiment parti. Juppé? Ah, oui. Bah, bien sûr. Ouais. Et à partir du moment où il a fait appel, on savait bien qu'il allait rester. Le président de l'UMP va donc rester à son poste, fidèle au président Chirac, qui a insisté, l'a même harcelé téléphoniquement, paraît-il, pour qu'il revienne sur sa décision de tout plaquer. Bref, c'est un véritable acte de courage ou d'inconscience de la part d'Alain Juppé. Michael Youn n'a qu'à bien se tenir, les défis à la con, les coups sur la gueule qu'on prend volontairement, les opérations kamikazes en bande, au risque de se casser la gueule, eh bien Alain Juppé n'y renonce pas. C'est lui le nouveau Jackass, Alain Juppé. C'est lui qui devrait être à l'affiche du film Les 11 commandements. Regardez, on a fait l'affiche. Les 11 commandements. Les 11 commandements sont effectivement venus direct de l'Élysée. Tu adoreras Chirac seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Chirac qu'avec respect. Tu sanctifieras le quinquennat du Seigneur. Tu honoreras Jacques et Bernadette. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'impureté, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, sauf si l'Élysée te le demande. Tu n'auras pas de désir impur et tu ne désireras pas le bien des autres, en tout cas pas la place de l'Élysée. Et le 11e commandement, puisque maintenant il y en a un 11e, c'est... Tu emmerderas Sarkozy jusqu'au bout. Jean, moi, je pense que si par hasard sa condamnation saute, la peine, il aura fait un pas énorme dans le cœur des Français, parce que c'est la première fois qu'on le voit pas arrogant, en position de victime. Et ça, je crois que ça, il va remonter dans les sondages, mais ça, j'en suis sûr, très très vite. Ah oui, ça c'est vrai, il aurait pleuré, il se mettait tout le monde dans la poche. Heureusement, il sait pas faire. C'est pas tout à fait juste, ça. Non. Alors, j'ai une autre photo à vous montrer, une photo publiée par France Soir ce matin, qui nous montre, regardez, Juppé et Chirac, c'est le 8 octobre 1977, et déjà, ils portaient le même costume, hein, vous voyez bien. Jacques Chirac était alors président du RPR. Chirac était président du RPR et il était venu soutenir le candidat Juppé aux législatives de Mont-de-Marsan. Et oui, 1977, ce sont donc des amis de 27 ans, pas encore de 30 ans. C'est donc dans 3 ans que ça va se gâter. Hein. Et souvenez-vous,
Quand lundi, à Marseille, le président Chirac avait promis qu'il serait toujours en première ligne pour lutter contre le cancer du sein, en fait, c'est d'Alain Juppé dont il parlait. Le plus dur, en tout cas, reste à faire quand même hein, pour M. Juppé, puisque maintenant, on le sait, même son départ était fictif. Allez, une autre photo, celle de Francis Joyon, qui a bouclé hier son tour du monde en 72 jours, 22 heures, 54 minutes et 22 secondes, pour être précis. Tous les commentaires ont été élogieux à son égard et c'est bien mérité, à part celui de Claude Sarraute, qui, en voyant cette photo, nous a dit ce matin « C'est pas la peine de faire un tour du monde pour, à l'arrivée, gâcher une bonne bouteille de champagne. C'est incroyable ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il paraît qu'on ne pourra pas battre ce record avant des années et des années. Ah non, lui, il dit que si lui est arrivé, il n'y a pas de raison que d'autres n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, la jeune femme, Hélène MacArthur, va évidemment se livrer va tenter en tout cas de battre ce record. En tout cas, il a placé la barre très haute. Pardon ? Il a placé la barre très haute. Oui. Oui, oui. Mmh. Et ce n'est pas facile sur un bateau. Surtout dans ce sens-là. Une autre photo, celle des panneaux municipaux parisiens qui, pour la Saint-Valentin, comme l'année dernière, ont commencé à afficher les messages d'amour des amoureux. « Je t'aime, reste, je ne peux pas me passer de toi. » Voilà, c'est malin, c'est peut-être en voyant tous ces panneaux qu'Alain Juppé a décidé de rester. Et encore, ça c'est encore la faute à Delanoë, vous voyez. Un autre sujet. Avec les nouvelles télés plébiscitées, paraît-il, par les Français. Les écrans plats, les lecteurs DVD et autres téléviseurs sans fil n'ont jamais autant été vendus. C'est le grand boom de l'écran plat. C'est d'ailleurs curieux, plus on engage des animatrices comme Elsa avec des gros seins à la télé, plus les, écrans, sont... plus les écrans sont plats, je comprends pas. Ne réglez pas. Elle déborde. À quoi ça sert? La télé accrochée au mur, ça plaît maintenant à tout le monde, mais il faut juste faire attention à ne pas poser la télé sur un mur mitoyen, parce que le voisin, s'il se met à percer de l'autre côté, ça peut vous faire une surprise, au prix où ça coûte. Et c'est là d'ailleurs, c'est là où on voit l'évolution culturelle d'un pays. Avant, la réussite, c'était quoi? C'est de réussir à accrocher un Renoir, un Picasso, un Van Gogh dans son salon. Maintenant, on est content quand on voit un Arthur, un Coé ou un Ruquier suspendu à son mur. J'ai pas dit Fontaine et Bataille parce que les natures mortes, c'est pas mon truc. Ce que j'ai fait, si vous voulez, parce que c'est très cher un écran plat. Alors, moi j'ai acheté un vieil écran, long comme ça, j'ai creusé un trou dans le mur et je l'ai enfoncé dans le mur. Oui, c'est pas bon. Tout le reste, c'est le bois d'art. Allez, une autre photo, celle qui illustre ce matin ce titre du Parisien. Gare au gros gibier sur les routes. En effet, le gros gibier provoquerait de plus en plus d'accidents de la route. Il paraît que dimanche dernier, dans l'article, un cycliste en a fait les frais en rentrant dans un chevreuil. Le contraire peut arriver aussi. Hein. Il paraît qu'hier, un coureur de chez Cofidis a écrasé un sanglier en pédalant dans une côte. Ça, c'est le truc, au début, moi, je croyais que c'était comme les passages à niveau. Vous savez, je voyais ça, je m'arrêtais et j'attendais qu'il y ait les sangliers qui passent. Enfin, ça, c'est un chevreuil, c'est pas un sanglier. Hein. Oui, un chevreuil, ça fait pareil. Hein. Pareil. La blague est aussi drôle avec chevreuil. C'est vrai. Je vous l'accorde, Derek. Et on termine par cette photo de notre boxeur préféré, pourquoi pas, Fabrice Tiozzo, qui continue à s'entraîner, regardez cette photo, pour pouvoir boxer dans la catégorie fillette. Je dis ça, mais attention, c'est pas moi quand même qui irai lui piquer sa corde à sauter. Mais c'est vrai que les boxeurs, c'est des vrais gamins. Hein, ils font de la corde à sauter, ils arrêtent de se battre dès que la cloche se met à sonner. Depuis des années, tags et graffitis fleurissent sur les murs et dans les rames de métro. Et si la plupart d'entre eux sont vus comme des gribouillis de vandales, d'autres sont désormais considérés comme des œuvres d'art urbaines. C'est le cas notamment des Space Invaders. Vous savez, ces petites bêtes un peu pixelisées, c'est un peu comme on a dans notre cuisine finalement, hein, ça ressemble un peu à ça, incrustées en mosaïque qu'on voit un peu partout dans Paris. On voit ça de plus en plus en tout cas, et même dans d'autres grandes villes de France. L'auteur de ces œuvres s'appelle L'Envahisseur et son majeur, pas plus grand que les autres doigts, il s'en sert surtout quand il est poursuivi par la police. Nous allons le tester ensemble. Il est accompagné par le rédacteur en chef d'un magazine trimestriel d'art de rue
Et un magazine qui lui est poursuivi pour avoir, il faut l'expliquer, publié des photos de wagons SNCF sur lesquels, justement, on a dessiné différents graffitis. Accueillons tout de suite sur notre plateau l'envahisseur, on ne peut pas dire son nom, et Olivier Jacquet, rédacteur en chef de ce magazine. Bonjour. Amis terriens, bonjour. Distribution de pixels. Distribution. Oh oui. Merci beaucoup. Vous avez une expression un peu figée. Merci beaucoup. Ça peut valoir de l'argent. Ah, hein. Il faut faire gaffe avec les liftings, hein, parce que des fois, ça rate. Ce sont des pixels, c'est ça? Exactement. C'est le nom que je leur donne. Vous, Olivier Jacquet, vous connaissez la véritable identité de l'envahisseur? Pas encore, mais ça ne saurait tarder un de ces jours. Je ne sais pas quand. Bon, alors, j'imagine que, évidemment, vous, vous êtes au courant de là où il sévit et de là où il a déjà sévi. Ou dans Paris, par exemple. Donc, quelques exemples, on peut voir... quelques œuvres de notre ami l'envahisseur. Écoutez, j'en ai placé 539 à Paris, donc on peut les voir assez facilement. Vous l'avez vu, vous, déjà? Il y en a vers chez moi. Ouais. Moi, j'en ai vu dans le 18e, oui. Est-ce que ça vous gêne? Moi, je trouve ça formidable. Mais ça, votre but, c'est évidemment de vous faire reconnaître en tant qu'artiste et un jour, et je crois que ça va être le cas d'ailleurs prochainement, exposer dans différentes galeries. C'est-à-dire que l'art de la rue, finalement, c'est l'art d'exposer là où on peut jusqu'à ce qu'on puisse exposer dans des vrais lieux. Non, monsieur. Mon but, c'est que j'ai une mission. Pardon, monsieur. Ah. Ma mission, c'est faire découvrir l'espace humain aux Space Invaders. Ah, voilà. Ah, vous êtes complètement barré, c'est pas seulement le masque, c'est la totale. Attendez, j'ai pas compris, là. Là, ça commence à se gâter. Quand est-ce qu'ils arrivent, les Space Invaders? Les Space Invaders sont déjà parmi nous. D'ailleurs, ils vous connaissent beaucoup mieux que vous les connaissez. Ouh, là, t'as ton petit délire. C'est pas sympa de pas partager. Vous allez publier bientôt un livret, une sorte de catalogue, en fait, des différents endroits, des différents espaces où vous avez justement collé vos petits carrés. Un guide d'invasion. J'aimerais en faire un pour toutes les villes que j'ai envahies. Et le premier à sortir est donc celui de Paris. De Paris. Regardez, on en voit là, par exemple, là, sur cette photo. C'est que moi, ça ne me gêne pas, ça. C'est joli. Je trouve ça formidable. C'est un art éphémère, c'est un art altruiste et généreux, puisqu'il vient au-devant de nous et il anime l'espace public. J'aime aussi beaucoup ce que faisait Ménager à une époque et ce que fait encore Mystique. J'ai un petit peu plus de doute quant aux petites signatures que font certains mecs qui marquent leur territoire un peu comme un chien marquerait le sien en urinant sur les réverbères. Là, franchement, c'est nul. Mais pour ces choses-là, je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, Ménager est encore présent dans la capitale aujourd'hui. Absolument. Olivier Jacquet, vous n'allez pas dire le contraire. Évidemment, vous aimez ça puisque vous êtes responsable, entre autres, de ce magazine. Là, on en voit sur les camions, par exemple. Sur les camions, est-ce que ce sont les propriétaires eux-mêmes des véhicules qui les ont faits ou est-ce que ce sont des jeunes qui sont venus? Alors, justement, parce que c'est pas tout à fait pareil. Bah, généralement, c'est quand un primeur ou un maraîcher voit que son camion est déjà dans un sale état, parce que généralement les camions des marchés sont un peu vieux, ça leur donne une bonne touche de couleur et généralement ils accordent aux peintres qui viennent les voir l'occasion de s'exprimer sur un matériel roulant qui est le camion. Ça, faut reconnaître que c'est plutôt joli, plutôt que ça, de voir, plutôt que de voir ça, une camionnette. Superbe. Alors là où ça pose problème, c'est effectivement à cause des... Qu'est-ce qu'il va nous faire? Continuez, faites comme si je n'étais pas là. J'envoie cette jeune demoiselle parce qu'elle a dit de très gentilles choses. Merci. Elle mérite son point. C'est le système du bon point. C'est ma légion d'honneur à moi. Merci. Parce que si vraiment il veut s'occuper, j'ai ma cuisine à refaire. Là où votre magazine a posé problème, c'est qu'on a publié dans votre magazine des photos de wagons SNCF, on les voit, sur lesquels effectivement certains artistes, certains envahisseurs, on va dire, sont intervenus. Là, effectivement, la SNCF dit attention, pas touche, n'est pas le droit non seulement de faire ça, mais encore moins de publier les photos. Alors vous répondez quoi? Moi je réponds déjà que je suis entièrement responsable d'avoir publié et en toute conscience ces pages de train graffées. Et pour moi c'est en tant que vraiment média presse, c'est de montrer un maximum de support du graffiti. Après je pense qu'il y a un jugement de chacun qui doit être... Pardon de vous interrompre, leur idée c'est peut-être de dire qu'en diffusant ces photos vous encouragez évidemment d'autres jeunes et d'autres artistes à faire ça et là... Tout le monde n'est peut-être pas d'accord, Isabelle. C'est-à-dire que moi, sur les trains, ça me gêne un petit peu plus parce que je trouve que ça n'est plus vraiment de l'espace public. C'est pas vraiment non plus l'espace privé que constitue une camionnette. On est un peu entre les deux. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de monter dans un train tout graffité. Je sais pas, il y a quelque chose... Je te permets juste à la vieille journaliste que je suis, toi, mon garçon, tu as absolument le droit
de montrer ce qu'on peut voir dans la rue, ce qu'on peut voir dans une gare. Justement, j'ai la liberté de la presse, j'ai répondu à ça. Voilà. Pour nous, c'est une atteinte fondamentale à la liberté d'information en presse. Et pour moi, il est judicieux, en tant que responsable de publication et rédac chef, justement, de donner une part qui soit pas très importante, dans la mesure où nous sommes, nous devons de passer avec le plus d'objectivité possible. Un compte-rendu du graffiti. C'est un trimestriel. Il n'y a pas d'incitation. Graffiti, c'est un trimestriel. Voilà, tous les trois mois en kiosque. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Benigny? C'est une belle revue, je dis. C'est vrai? C'est magnifique. Il y a qu'Isabelle qui a répondu à ma question sur les trains. Alors, vous êtes d'accord ou pas d'accord, Jean-Benigny? Ça quand même pose le problème de moyen de transport public payé par les contribuables, entretenu par des ouvriers de la SNCF. Qui sont quand même après obligés de les nettoyer et des choses comme ça. Non, parce que c'est pas de nos mœurs encore, parce que les gens pensent aux couleurs des trains, les TGV argent et bleu sont très beaux. Oui. C'est vrai que c'est dommage de bousiller ça. Peut-être que sur les trains, c'est un peu trop. Voilà. Train de marchandises. Train de marchandises. Ouais. Stevie, Moi, sur les trains, ça me dérange. Et je pense que, je sais pas, ça devrait être la mairie de Paris mettre des espaces pour faire des graffitis. Ou des grandes toiles pour les exposer après à la rigueur. C'est moins amusant, j'imagine. Ouais, c'est moins amusant. Mais sur un train, je trouve ça gênant. Moi, je ne suis pas pour le train. Elsa ? Moi, je suis pour les vieux trains, genre les vieux corail, absolument immondes. Mais la majorité des trains, maintenant, sont tout neufs et sont magnifiques. Oui, les tout neufs, c'est vrai qu'on vient de les payer. Donc, je sens qu'il va nous faire une performance, notre envahisseur. Qu'est-ce qui sort ? Écoutez, je n'ai encore jamais envahi de plateau de télé. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour le faire. Ah là là ! Ça ne va plus après, hein ? Vous savez, Laurent. Ces petits points sont pure substitution. Par contre, je vais vous en coller un, d'ailleurs, Laurent. Par contre, je l'enlève après. Là, on va vivre une véritable invasion en mosaïque. Donc, voici un Space Invader. Ça, c'est de la colle, ça? Ça, c'est de la colle. C'est ce que j'ai de plus léger, le plus pratique pour envahir, car j'ai de nombreuses techniques sous la main. Pour coller les timbres, vous sucez comme tout le monde. Pardon. Sur les marches, c'est trop tard. Voilà. L'invasion réussie. Mais il y a Méline, elle fait la gueule, on lui a touché à son plateau. Hein. Est-ce que c'est bon? Oh non. Ben voilà, on aura un souvenir de l'envahisseur. Nous venons de vivre tout de même le 440e Space Invader posé à Paris. 440e. Et comment vous gagnez votre vie? Écoutez, je vis comme Van Gogh. Si cela peut répondre à votre question, dans l'espoir de vivre un jour comme Picasso. c'est une belle réponse. On va remercier Olivier Jacquet. Merci bien. Son magazine s'appelle Graphite. Mystérieux. Merci bien. Merci, au revoir. À la fin du mois de novembre, la direction de l'ANPE a présenté son nouveau logo qui n'avait pas changé, il faut quand même le dire, depuis 30 ans. Cette opération de relookage a tout de même coûté 2,4 millions d'euros et les critiques des syndicats et des associations de chômeurs n'ont évidemment pas tardé à se faire entendre. Trois contribuables lyonnais sont même allés jusqu'à déposer un recours au tribunal contre l'Agence nationale pour l'emploi. Ils estiment en effet que l'ANPE n'avait pas à payer autant de millions pour un nouveau logo et particulièrement en ces temps difficile. Avant de recevoir sur ce plateau un militant écologiste qui effectivement est contre l'idée de dépenser autant d'argent pour un nouveau logo, Dan Bollander, lui, s'est employé à tester pour nous ce nouveau logo de l'ANPE. Regardez cette caméra cachée signée Marcel Bélanger. Bonjour, ici Dan Bollander, j'ai testé le nouveau logo de l'ANPE. Quoi, ça, hein? Ça, en fait, c'est la nouvelle proposition de logo qui remplacerait le logo actuel. La plupart des demandeurs d'emploi n'étaient pas contents parce qu'on nous dit que ça coûtait cher et que ce n'était pas très joli. Et celui-ci coûte 3 millions d'euros. Et en étant sincère, mais oui, sans que vous preniez main, vous n'avez pas l'impression que vous foutez de l'argent par les fenêtres sur un logo pareil? Pourquoi, monsieur? Je sais pas, on dirait plutôt le logo de la foire du trône. Non, c'est dommage, il faudrait les manèges à côté. Voilà la maquette du nouveau logo. En fait, de dépenser de l'argent dans des bêtises pareilles, comme je dis... Avouez qu'il est quand même... Oui, il est plus joli, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je m'en fiche du logo. Les conneries, ça, on est prêt à les faire pour mettre des logos, alors que bon, on avait un logo depuis X temps. Mm. Est-ce que vous croyez pas que c'est de l'argent qui est quand même fichu en l'air? C'est pour donner envie aux gens de venir. Qu'est-ce que ça change, ce logo ou celui-là? Celui-là, il est plus attrayant? Oui. Ok, d'accord. C'est pas une boîte de nuit, on vient chercher du travail. Ok? Ça, c'est rational. Les gens, ils savent que c'est la NPE.
Mais non, c'est entre nous, marchands de balais, comme disait mon grand-père. Mais non. 2,5 millions d'euros, monsieur, c'est un scandale, ça. Réfléchissons des minutes. Non, hein, mais c'est quand même important d'avoir une belle enseigne. Ça où je suis l'importance pour la NPE, c'est des trucs, les gens, ils cherchent du boulot, qu'est-ce qu'on va les enquiquiner à faire ça. Regardez-moi cette allure que ça. On se croira à la plage, là, ou à Noël, vous voyez. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Celui-ci a coûté 2,5 millions d'euros. Oui. Il est prévu de le remplacer par celui-ci qui va coûter donc 3,1 millions. On va remettre encore 3,5 millions là. Oui, encore 3,1 millions. Ah, s'il y a des sous à donner, saisis. Ouais, de la place, là. C'est important de bien accueillir les chômeurs. Il faut des croissants chauds le matin, et puis on met la musique. Ah, je sais pas moi, un fond de reggae, et puis bon, on y va. Ouais, plus des gogo danseuses, voilà, on y va, dans le total, quoi. Faut pas déconner non plus. Non. Nous essayons de répondre à la demande des demandeurs d'emploi, oui. Si le logo ne leur plaît pas, que ce soit les demandeurs d'emploi qui demandent ça. Bah si, ils veulent le changer, donc nous on le change, oui. Les demandeurs d'emploi, ils vous demandent d'abord un boulot, avant de vous demander la beauté d'un logo, ils s'en foutent, les gens meurent. C'est débile, hein, votre projet. Pourquoi débile? Bah pourquoi redépenser, changer de nouveau, enfin... Bah pour faire plaisir. Vous avez fait déjà une connerie, vous allez pas refaire une deuxième. Vous avez entendu une des personnes interrogées par Dan Golanda qui dit « Plutôt qu'un nouveau logo, peut-être que des croissants et de la musique le matin, ce serait plus sympathique. » C'est pas totalement idiot. On va accueillir un des contribuables lyonnais qui a déposé un recours contre la NPE, qui est contre l'idée qu'on ait dépensé autant d'argent pour ce nouveau logo. Voici monsieur Bruno Charles. Bonjour, bienvenue. Vous êtes vert, on peut le dire. Je le suis. Vous êtes contre l'idée qu'on ait pu dépenser 2,4 millions d'euros pour ce nouveau logo qui a été adopté, c'est vrai, qui a été réfléchi par une agence de publicité, cette agence qui a été payée. Alors évidemment, depuis, hein, la NPE a répondu à vos interrogations. On sait qu'évidemment, ce n'est pas seulement le design, le dessin du logo qui a coûté toute cette somme, parce qu'évidemment, le logo va être imprimé sur des tas de feuilles, il va y avoir des tas de changements partout, et c'est l'ensemble qui coûte les 2,4. On est bien d'accord? On est d'accord. Bon, mais c'est quand même trop cher. D'abord, on a d'abord essayé de comprendre, parce qu'il n'y avait pas d'accusés sans comprendre. On a d'abord cherché des points de comparaison. Alors, on a cherché des points de comparaison, on a cherché des amis qui ont demandé des devis à des agences de com pour créer des logos. Alors, logo, nom, charte graphique, l'opération tout entière. Les devis pour une société en constitution allaient de 5 à 20 000 euros. Ah, on se dit, bon, évidemment, une agence de com, elle fait toujours payer à la tête du client. Enfin, quand même, la disproportion était énorme. On a cherché ensuite du côté des institutions. On a trouvé une institution que je connais, qui est la communauté urbaine de Lyon, qui a refait faire son logo l'année passée, qui a payé 39 000 euros. Là, on s'est dit, c'est pas possible, il y a quelque chose, quoi, on peut pas... Et on a fait ce que tout le monde fait, on a écrit. On a écrit à la NPE en décembre, et on attend toujours la réponse. Est-ce que vous avez une idée comment on en arrive à ce chiffre de 2,4 millions d'euros? La NPE, effectivement, suite au recours qu'on a déposé, à laquelle ils n'ont pas répondu sur le fond, a simplement dit, 2,4 millions, c'est pas... le logo lui-même qui a coûté 100 000 euros. Au passage, 100 000 euros, c'est déjà très cher. C'est déjà trop cher. C'est aussi, semble-t-il, mais je n'ai pas compris complètement la dépêche de la NPE d'hier. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a tout, mais ils ne détaillent pas les postes. La moindre des choses, c'est d'avoir un peu de transparence, surtout quand on annonce un peu un chiffre pareil. Ça leur coûterait quoi, de la transparence? Enfin, c'est pas dans leurs habitudes non plus. Peut-être que la réponse vous aurait mis encore plus en colère. On va voir. Je voudrais d'abord vous dire une chose. Bravo pour votre démarche. C'est une vraie démarche citoyenne. Mais moi, je voudrais poser la question de base. Pourquoi et en quoi la NPE a besoin d'un logo? Voilà. Un logo, c'est pour qu'une marque commerciale soit repérable par la clientèle. Donc, pour une marque de soda ou de yaourt, on voit bien quel est le problème. On veut que les clients reconnaissent et achètent. Pour la NPE, qui est exactement le genre d'endroit où on est obligé d'y aller et où on n'a pas forcément envie de revenir. On a même envie de ne pas revenir. On se demande vraiment où est le besoin d'un logo. C'est de la débilité mentale. Donc, pas de logo pour la NPE. En plus, ils font un logo qui ressemble à une balle de tennis. Ils devraient savoir qu'une balle de tennis, quand on l'envoie, on se la reprend toujours dans la gueule à un moment ou à un autre. Jean-François. Exactement ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants de la NPE, qui sont probablement des technocrates, des énarques et des machins, pour se dire, on va dépenser 2,4 millions d'euros pour ils ça. Ils ont pas demandé à n'importe quelle agence. Ils ont demandé à une grande agence. Tu demandes à n'importe quelle agence. Un employé de la NPE. D'accord, je suis d'accord. Ouais, tu peux demander ça à n'importe qui. Je suis d'accord. Ils s'amusent et font ça. Ils auraient pu. Mais cette agence en question, qui est quand même hyper prestigieuse et qui a fait de très très belles campagnes, a certainement fait
à travers ce logo des études, mais ils font des études, ils prennent un panel non, mais l'agence, ils leur demandent ce qu'ils ont fait, des factures. Pour être très clair, l'agence, elle a eu raison, elle a fait son travail. L'agence aurait eu tort de ne pas... Exactement, la bêtise, elle vient de la NPE, franchement... Non, la bonne idée, ça aurait été de confier, de faire un concours parmi les chômeurs pour trouver le nouveau logo de la NPE. Ils enlèvent leur proposition. C'est la bonne idée. Par exemple, la mise en place de chaque logo, de chaque enseigne, hein, concrètement, c'est-à-dire le fait de changer et de mettre une enseigne, ça fait partie du coût global. Semble-t-il. C'est, encore apparemment, faut-il c'est le pas clair. C'est ce qu'il dit. C'est pas clair. C'est une honte. J'ai pas compris, moi, la je lis. Ça contient la nouvelle formule du site ANPE.fr, le déploiement de la signalétique externe, aussi bien, par exemple, la mise en place de la nouvelle signalétique sur l'ensemble de la France de toutes les ANPE. De toute façon, c'est un scandale, surtout maintenant, avec 200 à 300 000 chômeurs en fin de droit. On vient de nous apprendre qu'ils n'auraient plus droit à rien. Ouais. C'est hallucinant comme démarche. C'est vrai que c'est une nouvelle image, c'était pas le moment, quoi. C'est le même ils réflexe. Ils donnent rendez-vous aux gens à 8h du matin, on les fait attendre pendant 4 heures, exprès, c'est de la brimade pour qu'ils ne reviennent pas et qu'ils arrêtent de se faire payer. Et ils viennent nous dire après qu'avec une petite baballe verte et orange, ça va arranger les choses. Mais d'autant plus que la baballe avait déjà été utilisée. Parce que le comble du tout, c'est que justement, ce logo ressemble étrangement à une autre firme italienne qui voudrait par la suite attaquer la NPE et lui demander le triple de ce qu'ils ont payé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Du tout, quoi. Non, copier les yeux de Serge Reggiani, c'est impressionnant. C'est dégueulasse. Écoutez, Bruno Charlot, à vous remercier. On a bien compris que c'était quand même En fait, vous avez raison. Ce qu'il faudrait, là, c'est la transparence, que quelqu'un... qui, alors? C'est le ministre du Travail, peut-être C'est le ministère tutelle et le ministre du Travail. Donc, lui, effectivement, a le pouvoir de... C'est M. Fillon. Ouais, c'est M. Fillon qui devrait une fois pour toutes répondre aux interrogations de tout le monde sur effectivement l'existence de ce nouveau logo. Et puis au moins l'affaire serait peut-être close, je ne sais pas, mais en tout cas plus claire. Je suis d'accord. On va vous remercier, Bruno Charlot. Merci. Au mois de septembre, dans Paris Match, le chanteur Eddie Mitchell, qui n'a pas toujours sa langue dans sa poche et qui ferait mieux de partir en Bretagne, à mon avis, aux prochaines vacances, Eddie Mitchell avait qualifié la Corse de, je cite Eddie Mitchell, « île de crétins ». Oula. Traiter un Corse de crétin, c'est déjà très grave. Mais alors, toute l'île entière, là, ça frise l'inconscience. Deux associations de défense des intérêts de la Corse ont donc porté plainte pour injures racistes contre M. Claude Moine, c'est son vrai nom, Schmoll pour les intimes, Eddie Mitchell. Donc, tout en déplorant une corsophobie généralisée, disent-ils, dans les médias et les milieux branchés. Nous serions donc tous corsophobes. Il faut dire aussi qu'avec Patrick Fiori comme ambassadeur, ils ne sont pas forcément gâtés. Pour parler de ce sujet, nous allons tout de suite tester ensemble un restaurateur corse qui lui aussi défend l'image de son île de beauté, rappelons-le. Voici Maga Barbarossa. Alors, est-ce que vous faites partie de cette association qui a porté plainte contre Eddie Mitchell? Pas du tout. Pas du tout, mais vous êtes d'accord avec eux? Si effectivement il a tenu de tels propos, je suis plutôt d'accord avec eux. Ah ben voilà exactement ce qui était écrit dans Paris Match. En fait, on demandait à Eddie Mitchell « Qui sont vos amis ?» Alors, voilà, il dit « Ça m'arrive de sortir avec Michel Sardou ou Johnny Hallyday. » Et il dit encore que Sardou, depuis qu'il s'est enfermé dans son île de crétins, pas vraiment. Donc, comme on sait que c'est pas l'île Saint-Louis dont il parle... Évidemment, les deux associations en question en ont déduit qu'il s'agissait de votre Corse. Exactement. Même si vous êtes parisien aujourd'hui, en tout cas de la région. Dis donc, je fais la promotion de la Corse à Paris. Bah, est-ce que quand même, ça mérite qu'on porte plainte contre Eddie Mitchell parce qu'il a dit que Michel Sardou était sur son île de crétins? Bon, il vise pas tous les Corses, il dit qu'il y a des crétins en Corse quand il dit ça. C'est clair. Mais à mon avis, oui, si... Quelqu'un qui est un leader d'opinion comme Eddie Mitchell, qui a des responsabilités en tant qu'artiste, en tant que leader d'opinion, se permet effectivement de tenir de tels propos. Attention, Eddie Mitchell, c'est Eddie Mitchell, il faut être sérieux quelque part, dire c'est un mythe. Mais enfin, il faut revenir à la réalité aussi maintenant. C'est quoi la réalité? Il n'est pas très lu non plus. Enfin, il attire pas les foules, Eddie Mitchell. Je veux dire, c'est pas... Non, mais c'est vrai. Tout de même. C'est vrai, s'il a dit ça, vous savez, les gens, dans Paris Match, ils ont vu Eddie Mitchell. Oh. Ils ont tourné, ils n'ont même pas lu, tu vois. Donc... Attends, tu vas avoir une plainte d'Eddie Mitchell. Tu vas avoir une plainte d'Eddie Mitchell. Non, mais Stevie a raison. Si ça avait été Dick Rivers qui l'aurait barré. Là, là, évidemment. Mais... Comprends. Non, là, c'est pas pareil. Mais lui, à mon avis, il vit sur l'île. C'est pas pareil, mais non, mais...
Soyons sérieux quelque part. Je veux dire, Eddie Mitchell, Paris Match, je veux dire. C'est des grands vecteurs quand même. On est complètement d'accord. Je veux dire, Monsieur Ben Guigui qui est ici et d'autres qui sont autour de cette table, qui font partie de quelques communautés. Si dans un cénacle, si quelques. Je vois pas de quelle communauté vous voulez parler. Si. Elena, les chauves, les mouches. Dans un certain cénacle, donc, on se permet de faire des plaisanteries. C'est très drôle. Je serais le premier à en rire. Maintenant, quand c'est diffusé, attention. Voilà, ouais. Quand c'est diffusé sur de très grands vecteurs, c'est toujours, c'est toujours préjudiciable. Isabelle, vous en pensez quoi? Moi, j'ai une chose à dire avant toute autre considération, que ce soit noté, s'il vous plaît, vous écoutez bien ce que je dis. La Corse fait partie de ces endroits privilégiés du globe qui ont un caractère, une forte personnalité que ni le temps ni les hommes ne parviennent à entamer. C'est un des plus beaux pays du monde qui justifie pleinement son appellation d'île de beauté. Mais pourquoi ce préambule, me demanderez-vous? Parce que les Corses, que l'on décrit comme individualistes, alliant l'exubérance à la maîtrise de soi, nonchalants, hospitaliers, loyaux, fidèles en amitié, attachés à leur pays natal, éloquents et courageux, sont eux aussi, plus que tout cela, susceptibles. C'est signé Goscinny dans Astérix en Corse. Il avait mis ça au début d'Astérix en Corse pour être sûr que ça n'allait vexer personne. Alors ça, mis à part, une insulte vis-à-vis d'une communauté, comme vous dites, n'est véritablement grave que si cette communauté est l'objet d'une violence spécifique. Mais franchement, est-ce que les Corses sont l'objet d'une discrimination tellement forte que le simple fait de les traiter de crétins doit être pris autant au sérieux? Oui, parce qu'à un moment donné, je veux dire, j'ai pas à justifier en permanence mon origine. Quelle que soit la personne que j'ai en face, on me demande qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'attendent les Corses. Attendez, moi je suis artiste peintre, je vis de mon resto, je vis de ma peinture. Je veux pas savoir quelque part. J'ai pas à me justifier. Vous êtes bien obligé de constater que la Corse, hélas, et aussi tant mieux, n'est pas une région comme les autres. C'est vrai. Voilà. Il se passe des choses en Corse qui ne se passent pas dans les autres régions. Alors, il ne faudrait pas dire qu'il y a des bombes qui sautent en Corse. Il ne faudrait pas dire qu'il y a un danger pour ce qu'ils appellent les halogènes à s'installer en Corse. Il ne faudrait pas dire tout ça. Quand on dit ça, on est corsophobe. Mais ça, on n'est pas corsophobe. On est juste lucide et réaliste. D'accord. J'étais la semaine dernière avec le fils de Dutron. Et je peux vous dire que ce monsieur qui a grandi dans l'île a toujours été très bien accueilli. Parce qu'il a grandi dans l'île. Il a grandi dans l'île, bien entendu. Bah oui. Non, mais quelqu'un qui peut, est extérieur. Monsieur Sardou n'a pas grandi dans l'île. Il s'est installé, il n'a jamais eu de soucis. Attendez. Non, on parle des Corses qui n'ont pas envie d'être traités de crétins. Et on ne parle pas des crétins, peut-être ça ne leur plaît pas d'être traités de Corses. Les crétois. Est-ce que je peux dire un truc? Il est bien évident que tous les Corses ne sont pas des crétins et je ne crois pas que ce soit tous ce d'accord avec ça. La même proportion. Il est bien d'accord. Évident qu'il y a en Corse en particulier des associations de femmes qui ont le courage de résister et de dire ce qu'elles pensent. Il est bien évident aussi qu'il y a une mafia corse, qu'elle ne recule devant rien, qu'elle ne défend que ses propres intérêts personnels. Ce sont des gangsters et rien d'autre. Et ils se cachent derrière une pseudo-revendication politique que ne reconnaissent pas beaucoup de Corses. Mais avouez aussi que les Corses eux-mêmes ne font pas grand-chose pour que ça s'arrête. C'est le sentiment qu'on a. Ils sont très minoritaires et très courageux, ceux qui osent casser l'omerta. Et ils prennent des risques. Et donc, dès qu'on prend la parole là-dessus, avouez que ça n'arrive dans aucune autre province française. Je suis évidemment totalement d'accord avec vous sur l'idée qu'il y a une minorité de Corse qui nuit à l'image de l'ensemble de l'île de beauté. C'est ça que vous voulez dire? Vous êtes d'accord ou pas? Je suis assez d'accord là-dessus. Sauf que cette image est utilisée par beaucoup de gens parce que ça fait vendre beaucoup de papier. Bon, ça, c'est la première chose. La seconde chose, il n'y a pas autant de maisons qui sautent, il n'y a pas autant d'agressions vis-à-vis des étrangers qui s'installent là-bas en Corse que dans les autres régions, c'est pas vrai. Je suis complètement d'accord avec vous, sauf que moi, j'ai très très peur d'aller me promener dans le 9-3 aujourd'hui. Est-ce qu'on demande aux gens du 93 avec vous foutez la question? Mais quand il y a les commissariats et tout qui sautent, c'est pas normal. C'est ça. En termes de sécurité. Mais oui. Comment voulez-vous qu'on ne continue pas à vous caricaturer quand vous me répondez en comparant le 9-3 et la Corse? Comment voulez-vous qu'on continue pas à se foutre de votre gueule? Ben oui, on va continuer à vous appeler des crétins si vous continuez à nous répondre comme ça. Je suis désolé. D'accord. Voilà, c'est terrible. Vous ne trouvez pas quand même que c'est complètement disproportionné, votre réaction?
Je trouve quand même que vous êtes bien servi, vous n'avez pas de problème. Alors pourquoi aujourd'hui faire autant de buzz autour d'un truc qui est complètement minable? C'est donc, un gros vieux on est bien vieil ours mal aujourd'hui, léché qui a dit aujourd'hui, ça, la démocratie ne s'use que si on s'en sert pas. On est bien d'accord? Donc à partir de là, ce dont vous êtes en train de parler, en France, en 2004, ça ne devrait pas exister. C'est une honte. Mais c'est une honte. Attendez, vous imaginez? Mais on est d'accord. Mais vous ne pensez pas que c'est une tempête dans un verre d'eau ce que vous êtes en train de faire? Non. Vous avez peur que ça arrive, alors vous prenez les devants. Parce que honnêtement, quand on voit aujourd'hui l'actualité et que vous arrivez comme un cheveu sur la soupe avec votre petit problème parce qu'un chanteur type a déclaré dans la presse sans citer en plus l'accord, bon, même si on a tous compris de quoi il parlait, il ne l'a pas vraiment cité. On connaît un peu le personnage, on sait qu'il est un peu grande gueule. Bon, et vous en faites tout un pataquès. Encore que moi, à un moment, j'ai cru que c'était l'île de Ré. Mais moi je connais très bien. Moi je connais lui. Moi je connais Michel. Et que Crétin était au singulier. En fait, il parlait de Michel aurait dit pareil. Il aurait dit pareil sur n'importe quoi. Il dit Michel. Alors les Belges, qu'est-ce qu'ils devraient dire, les Belges? C'est énorme. C'est énorme. Vous n'êtes pas belge? Belge et Corse, ça fait beaucoup, hein. Non mais on est d'accord, on est complètement d'accord. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, le fait est, je ne fais pas partie de cette association, je ne les soutiens pas. Maintenant, je suis d'accord avec eux, je suis complètement d'accord avec eux. Comme à la limite, ce qui me gêne, je vais vous dire le fond de ma pensée, ce n'est pas que ce soit une association de Corse qui se soit dressée contre ça. Ce qui me gêne, c'est que ce soit la Ligue des droits de l'homme qui ne se soit pas bougé un peu les fesses sur ce problème. C'est ce qui me gêne à moi. C'est-à-dire, à un moment donné... La Ligue des droits de l'homme qui doit protester parce que c'est... Parce qu'on dit que c'est une Ligue de Vous êtes malade. Non. Mais tous les Corses, vous êtes malades. Je suis pas malade. Je vais avoir un procès. Non, mais il aurait dit pareil sur la Bretagne, sur n'importe quoi, dit Michel. Il aurait une maison dans le Finistère. Il dit, j'ai pas allé dans ce pays où on gèle les couilles. C'est aussi con que ça. C'est aussi bête que ça. Ce qu'il appelle les crétins, c'est les mecs qui font sauter les baraques et qui se mettent des cagoules. Ça l'énerve, il appelle ça des crétins. C'est tout. Ce n'est pas plus loin. Je vois même pas pourquoi on en fait un débat. Exactement. Je suis complètement d'accord. Bravo. Alors nous sommes d'accord. Bon, allez. Nous, on voudrait... Pour conclure, on voudrait pouvoir dire qu'effectivement la Corse va pouvoir un jour oublier peut-être cette minorité, mais hélas, moi j'ai l'impression au début de notre rencontre là que vous ne faisiez pas partie de cette minorité, puis tout au long de votre discours on s'aperçoit que finalement vous n'en êtes pas si loin quoi. Et c'est ça qui nous inquiète en fait, on se dit qu'il y a vraiment une identité et une spécificité parce que manifestement vous arrivez par votre discours, même si vous ne faites pas partie de ces minorités qui nuisent à l'image de la Corse, bah, finalement vous arrivez à les soutenir quand même. C'est ça qui ressort du discours que j'ai entendu ce soir. Je suis désolé. Venez me voir au restaurant. C'est pas gagné. Je vous remercie. Priscilla, vous la connaissez sûrement, c'est cette jeune chanteuse de 14 ans que vos enfants adorent peut-être, ses albums Cette vie nouvelle et Priscilla, c'était déjà vendu en tant que disque d'or. Ce serait donc dommage de s'arrêter en si bon chemin. Elle en est déjà à son... troisième album à 14 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 60 ans, elle a une centaine d'albums à son actif. Hein. Une fille comme moi, c'est le titre de son nouvel album, son single c'est Toujours pas d'amour. Elle aime les épinards, la Starac, et espère, ça n'a rien à voir, et espère bientôt pouvoir s'acheter des soutiens-gorge, évidemment. Son idole c'est Britney Spears, mais pas Michael Jackson, parce que ses parents ne veulent pas, ils sont prudents. Pour tester ensemble une fille comme moi, accueillons Priscilla. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bienvenue. C'est pas la première fois qu'on se voit. Vous étiez déjà venu pour le précédent album. Déjà trois albums. Non mais c'est dingue. Hein. À 14 ans, j'imagine même pas. C'est vrai? Hein? Jean-Pierre François, il attend toujours son premier album. Non mais c'est fou ça. C'est clair. C'est clair. Ouais. Mais vous, quand même, vous sortez souvent, hein, un album par an, c'est ça? Ouais, mais c'est parce que j'adore ça, et puis c'est ma passion, et je fais ce que j'aime, quoi. Bon, alors la chanson, ça marche très bien, on va tout de suite regarder un extrait du clip. Avant d'envoyer le clip, ça s'est moins bien passé pour le film. Alors là, vous avez fait vos débuts au cinéma, c'était, j'imagine, une belle aventure, parce que tourner aux côtés de Michel Serrault, c'est quand c'est même ça, ouais, gratifiant. C'est assez grand, ouais. Mais en revanche, le film a été pas très bien accueilli. Vous étiez la fille d'Ariel Dombal dans c'est le film? C'est ça, la fille d'Ariel Dombal et de Christian Clavier, et puis donc... Oui, ça se voit. Oui. Les copines à l'école, elles ont dit quoi?
Ben, j'ai eu deux, trois copines qui m'ont dit « Oui, il était génial, ton film. » Enfin, ouais. Bon, tant mieux. On est naïf quand on est gosse encore. Toujours pas d'amour, extrait du clip de Priscilla. J'ai beau regarder les yeux, grand écarquillé, je ne vois que des... Pas d'amour. Avant de donner la parole à mes petits camarades, moi j'aimerais vous poser une question pour savoir si vous allez bien faire attention, parce que pour l'instant c'est très bien, vous avez un public de jeunes de votre âge, ce qui est tout à fait logique et normal. Est-ce que vous allez faire comme Britney Spears, qui effectivement au départ, je sais que c'est votre idole, a commencé par toucher les petites filles, le tout jeune public, puis quand même a été assez maline pour très vite évoluer. D'abord elle a arrêté de dire qu'elle était... voilà. Et puis très vite elle s'est mise en... elle s'est foutue en string, et puis voilà, maintenant elle plaît au public adulte. C'est, je pense, l'erreur que fait par exemple Laurie, qui pour l'instant continue à viser le même public et qui n'arrive pas à franchir deux marches. Alors vous n'en êtes pas là encore, à 14 ans. Mais quand même, est-ce que vous y pensez déjà? En fait, là, le troisième album, en fait, on est parti d'un premier album. Ben, on a monté encore d'un pas sur le deuxième, encore un pas sur le troisième, et puis on va... on fait des textes qui correspondent à notre âge. Pas à pas. Ouais. Pour l'instant, c'est Une fille comme moi, le titre du nouvel album de Priscilla, que vous avez écouté, Elsa Fayer. Ah oui, ça, c'est de votre âge, faut dire. Écoute, vraiment. Mais j'adore. Mental, voilà, c'est très ça. Mais vraiment, alors déjà, d'une part, je voulais dire que cet album, je le trouve très mûr. Je trouve que les chansons sont absolument pas cucu. Vous preniez l'exemple de Laurie, justement, qui chante dernièrement son dernier single. Vive le week-end. Moi, ça m'agace, mais j'ai envie de la taper quand je la vois dans l'écran. Et Dieu seul sait. En même temps, elle traduit une pensée commune à tous. Vive le week-end, on le dit souvent. Ah, ça suffit, la récré, c'est la machin. Débat entre les lauristes et les précilistes. Oui, oui. Le débat mais je sens que t'es plus préciliste que lauriste. Et je suis, oui, c'est exactement c'est exactement le cas. J'aime toutes les chansons. Toutes. Je trouve ça. Ah oui, toutes. Vous avez remarqué que je la vous vois? Oui. Hein, je croyais que vous alliez me faire la réflexion. Non, c'est très bien, vous avez raison, c'est notre invité. D'accord. Non, je pensais que vous louchiez et puis que vous pensiez qu'elle avait deux. Claude. Et moi, je trouve extraordinaire qu'avant, il y avait les jeunes filles en fleurs, maintenant, on a les jeunes filles en boutons. Et pourquoi? Attends, elle a un teint de lisse. Elle est ravissante. Ah bon. C'est un bouton de fleur. Non, parce qu'elle pensait à l'acné. Un bouton. Moi, je trouve le disque charmant. Tu sais, vraiment, c'est un peu formaté comme ces disques. C'est pas de votre âge. Mais on recevra Jacques Lantier. Mais je te dis, ma petite fille, qui a 12 ans, elle t'aime énormément. Elle préfère on n'a pas de nouvelles de Jacques Lantier. Il va passer, il m'a dit qu'il passerait pour le chercher. Ça, alors je lance un grand cri désespéré. Moi, ma mère adorait Jacques Lantier qui passait chez Pascal Sevran et qui chantait « La guinguette a fermé, c'est volé ». Mais j'espère qu'il on n'a pas de nouvelles de lui, de Jacques Lantier. J'espère qu'il n'a pas été pris. Je ne sais pas au monde de qui tu parles. Tu vois, tu essayes de m'humilier, mais je ne sais pas au monde de qui tu parles. Comment ça, vous ne connaissez pas Jacques Lantier? Non, pas du tout. Mesdames, est-ce que vous ne connaissez pas Jacques Lantier? Oui. Et ben voilà, alors, vous aussi vous le connaissez, Jacques Lantier? Non. Ma petite fille, je voulais juste le dire à Priscilla. Ma petite fille de 12 ans t'adore. Ah. J'ai reçu le disque hier soir, elle était là, elle m'a fait jurer de lui donner la prochaine fois qu'elle viendrait me voir. Ben, merci. Vraiment. Stevie Boulet. Ben, moi aussi, j'aime beaucoup Priscilla. J'aime tout ce genre de musique, moi. J'aime bien écouter parce que ça touche le bon public. Est-ce que, quand même, tu n'es pas déçue par certaines choses qui t'arrivent maintenant? Non, parce que c'est vrai que moi, je suis toujours dans un rêve. Là, j'ai pas fini de tout découvrir. Donc, elle rêvait de me rencontrer. C'est fait. Non, mais t'as pas été déçue par... Faut que je me méfie, je suis en train de me franquer du smoking. Est-ce que t'as pas été déçue par certaines personnes? Ah, je sais pourquoi vous dites ça. Parce qu'elle a déclaré qu'elle avait été déçue. Enfin, je comprends pas, parce que moi, je la de trouve très sympa. Par Mimi Mati. Non, mais... Évidemment. Elle n'a pas été gentille avec vous, Mimi Mati. Elle n'a pas les enfants, Mimi Mati. Ah bon? Parce qu'ils sont tous plus grands qu'elle. Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé?
On a lu cette déclaration, ça nous a tous surpris parce qu'elle est une fille adorable. Oui, c'est vrai, mais c'est juste que, bon, ben, on l'a vu un jour dans un café. Et donc, ben, l'une de mes cousines est allée lui demander un autographe. Et puis, vraiment, elle était en train de discuter avec quelqu'un. Donc, elle a pris, elle a signé, et puis elle a rendu. Voilà. Ça, quoi. Elle pouvait être dans un mauvais jour. Oh, oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Je ne l'aurais pas pardonné non plus. Méchanceté. Mauvaise. Vous avez de la chance de ne pas être tombé sur nous, on vous donne un coup de pied. Non, à l'école. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que quand on est une petite star, d'arriver dans... En plus de ça, vous continuez à fréquenter le même établissement scolaire. Vous n'avez pas trop changé vos habitudes. Non. Et alors, les filles à l'école, elles sont comment? Elles sont très sympas avec vous? Elles sont super méchantes avec vous? Il y a un peu de jalousie quand même dans l'air. Oui. D'ailleurs, ben, y a une chanson sur cet album qui s'appelle Jalousie. Ça, voilà. Mais c'est pour les filles en général. Je suis sûre que c'est pareil pour d'autres filles. Quelle classe vous êtes? Quatrième. Quatrième. Ouais, ça. Et les profs, alors, ils sont comment? Ben, ils sont gentils. Ouais. Ils sont comme les autres élèves. En fait, ils me considèrent pareil parce que quand je suis à la maison ou à l'école, ben c'est pas Priscilla qui sort des disques, qui fait des spectacles, tout ça. C'est pas vous du tout. Très. Regardez, elle vient un mercredi par exemple dans l'émission. Ouais. Ah, oui. C'est très bien ça. Voilà. Non, c'est vrai. Ouais, elle fait que des émissions le mercredi, le samedi et le dimanche. Non. Ah bon, on organise le planning en fonction de l'école. C'est-à-dire que je ne rate presque jamais l'école ou si une fois. C'est vraiment très rare et puis je rattrape toujours et puis les profs sont très contents de moi parce qu'ils voient que malgré ce que je fais, en fait j'arrive à suivre quoi et puis j'ai une assez bonne moyenne. Alors justement je voulais vous poser une question parce que j'ai vu que vous avez déclaré « Quand j'aime un garçon, je ne vais pas lui dire. On s'entend avec mes copines, on joue dans la cour, on crie bien fort, on rigole pour se faire remarquer. » Et ça marche ça? Parce que moi je fais ça par exemple. Si je suis amoureux d'une fille, je rigole dans la cour avec mes copains. Les voisins, ils appellent le SAMU. Hein. Non. Ben moi, j'ose pas aller trop vers eux. Mais t'es un petit Ouais. Mais, attendez, à 14 ans, on réagit pas comme à 17 ans, je veux dire. Non, à 14 ans, on va, on rentre dedans. Et la première fois que j'ai embrassé quelqu'un, c'était... je devais avoir 14 ans, tu vois. La première fois que j'avais embrassé quelqu'un. Quand j'ai mis la langue, ouais. Ah ouais. J'avais 14 ans. Quand t'es sorti avec. Quand t'es sorti avec, comme on dit. La première fois que j'ai embrassé quelqu'un, j'avais 14 ans. La première fois que j'ai embrassé une fille, 29. Pour raconter comment ça se passe, Priscilla, comment c'était votre premier baiser. Je rentrais de colonie de vacances, fait, et il y avait... Ah. Elle s'appelle Alice, mon Dieu. Alice, c'est ta faute. Alors Non mais, je vous rigole, mais c'est quand même hyper important, son premier baiser. Ah ouais. C'est important parce que... On en parle jamais assez. Mais non, mais tu t'en rappelles, tu sais, t'as jamais touché quoi... Enfin, t'as jamais embrassé, et puis tu vois, t'es comme ça, et puis tu sais, après, tu te poses des questions, tu te dis, mais merde... Dans quel sens? Mais comment c'est fait? Non, mais c'est vrai, enfin, je sais pas si t'as déjà roulé un patin, mais... Bah ouais, quand même. Ouais. Elle a 14 ans, mais pas... Bah, elle m'a dit oui. Oh, j'en dirais trop, cette menace. Allez, on va remercier Priscilla qui reste avec nous pour le tac à finir. On commence par quelqu'un, je suis sûr que vous aimez bien, parce que tous les ados adorent Michael Youn, qui sort son film aujourd'hui, Les 11 commandements, ça a l'air gratiné. Et il déclare justement, à propos de son film, Les 11 commandements, c'est un peu notre à nous, là... Bébé. Devise. Pas bébé, non. Pas devise. En fait, il compare son film avec un autre film d'une autre génération. Notre Père Noël. La guerre des boutons. La guerre des boutons. Bravo, Stevie, exactement. C'est un peu notre guerre des boutons à nous. Il manque deux mots. Presque. D'acné. Oui. En acné. Bravo, Isabelle Alonso. L'avocat, maître Gilbert Collard, déclare « Si je pouvais, je finirais... » Chanteuse. Non. Curée. Curée, non. Mais on se rapproche. Alain Delon. Pardon. Non, je... Stéphanie de Monaco aussi. Stéphanie de Monaco. Quand j'ai dit c'est curé, c'est... Perchiste. Ça n'a rien à voir avec curé, mais il y a un point commun, un seul, avec la fonction prêcheur. Curé. Pardon. Prêcheur. Viticulteur. Non. Viticulteur, non. Bravo, ouais. C'est la bonne réponse, Priscilla. C'est vrai, ouais, c'est la bonne réponse. Tu peux
toujours en auto. Mais non, tu sais, à l'école. Une fessée. En quoi? En quoi, Priscilla? Voilà. Les mains sur la tête. Voilà. Et tu reviens quand je te le dirai. Bon, allez, reviens, on t'aime bien. Va, allez, viens, reviens. Toujours pas d'amour. Laurent Boyer, animateur d'M6, déclare quand j'ai le trac comme à l'école. Quand je suis en direct. Non. Non. Quand je chante sous la douche. Non. C'est plutôt après tout ça. Quand je fais l'amour. Non. Quand je regarde le Dimat. Pardon. Quand je regarde le Dimat. Exactement. Bravo Claude Sarotte. Quand on me donne les audiences, j'ai le trac comme à l'école. Vous savez qu'à M6, il y a les audimats dans l'ascenseur. C'est pas vrai. Si, si, véridique. Donc dès qu'on arrive au sein d'M6, dès qu'on arrive, on va dans l'ascenseur et on voit les courbes. Ouais. C'est horrible. Mais il n'y a pas qu'à M6, il y a tout. TF1, France 2. Donc à chaque fois, on est en troisième position, de toute façon. Pourquoi tu dis on n'y est enfin, plus oui. Vous êtes en train de nous faire un enfant dans le dos? Non, je vous aime trop, je reste là. Tant pis, encore raté. Alors, l'album de Priscilla, c'est Une fille comme moi. Et le nouveau single, c'est Toujours pas d'amour. Merci Priscilla, demain, bye bye.